Coucou les choucrouloutes! On se retrouve pour un nouvel épisode de Cass Story. Cette famille m'a été inspirée par Cimet World. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sa chaîne puisqu'elle fait partie de la team Moru. N'hésitez pas à me dire si la famille vous plaît, bien évidemment, en cliquant sur le petit i en haut à droite. Vous avez un petit sondage et vous avez aussi le lien vers la vidéo du tuto pour rejoindre mon Discord et éventuellement me proposer vos idées pour le Cass Story ou même pour discuter avec les autres choucrouloutes ou avoir quelques petites infos en avance. La famille que je vais vous présenter, c'est la famille Ramarez qui se compose d'un papa, de sa fille et de leur chien. Là, je suis donc en train de faire le papa qui est tourné vers la famille, il veut que sa descendance réussisse. Il est créatif, tourné vers la famille et gourmand. Et comme vous pouvez constater, j'essaye de lui faire un look tranquille mais bien habillé. Enfin, j'ai essayé de faire un truc, mais je suis pas très douée pour faire les hommes dans les Sims. J'ai un peu galéré avec son pantalon. Je voulais qu'il ait des Santiago, mais soit ça se voyait pas, soit le pantalon était trop court. Enfin, ça m'a un peu saoulée, je vous avouerai. Je lui mets donc ses traits et après je vais passer à sa fille et vous allez voir que je reviendrai sur le père pour compléter ses coiffures. Alors pour la demoiselle, je commence toujours par définir comment elle sera adulte, donc je fais bien ses traits comme j'ai envie qu'elle soit plus tard et après je la passerai en enfant, vous allez voir. Donc j'ai fait une petite métisse puisque j'ai imaginé que le papa avait connu la mère de la petite qui elle était blanche. Ils se sont tout simplement séparés et c'est le père qui a la garde de l'enfant. La gamine est donc métisse, j'ai mis des petites taches de rousseur parce que je trouve ça tellement mignon les taches de rousseur. Et pour les looks, j'ai essayé de varier un peu les couleurs, de pas toujours faire le même ton, histoire de changer un peu. Donc il y a un peu de blanc, il y a du rose, il y a du jaune, il y a du bleu, il y a de tout. Go out and be free. 'Cause there's no, no, there's no coming home now. I'm just here to be me. La petite adore les chiens et elle est sociale. Et pour la tenue d'hiver, je me suis amusée, je lui ai mis un petit bonnet rouge parce que c'est vrai que je mets pas souvent de bonnet, donc là j'y ai pensé. Et j'ai même mis le même bonnet rouge à son père. J'ai trouvé ça marrant de faire un petit style comme ça. Voilà, je définis les marches et la voix aussi. Je refais les coiffures du papa puisque je me suis dit qu'il fallait un peu changer. Pour la nuit, j'ai mis une coiffure féminine histoire de dire bah il est décoiffé, ça lui fait une grosse touffe, etc. Et je trouvais ça un peu plus réaliste que juste lui mettre des cheveux. Enfin bref, j'aime bien des fois mettre des coiffures féminines aux garçons. Pour le chien, je savais pas, j'ai beaucoup hésité entre un grand chien et un petit. Et sachant que j'ai déjà fait deux grands chiens, je crois, je me suis dit, je vais faire un petit. J'ai hésité entre plusieurs races et j'ai finalement mélangé un Shiba Inu et je ne sais plus le nom de cette race. J'ai un petit peu bidouillé, je l'ai laissé comme il était, j'ai juste changé un petit peu ses yeux, je lui ai fait des yeux verrons. Et après, j'irai changer le pelage et un petit peu la truffe.
J'adore les yeux verrons, je trouve ça tellement beau sur les chiens, sur les chats, sur un peu tous les animaux et aussi sur les humains. Je trouve ça magnifique et totalement hypnotisant, je sais pas pour vous. Donc là, je change la truffe et après, je vais un petit peu changer sa couleur vite fait. Je change aussi très rapidement ses traits, enfin, les traits de son museau, de sa tête et de ses oreilles. Mais globalement, je l'ai laissé comme le jeu me l'a proposé. Je change un petit peu sa couleur pour mettre un petit peu de roux, mais pas trop, histoire de... Je galère, hein, comme vous pouvez le constater. Et ensuite, je vais essayer de lui faire des taches, d'ajouter des petites taches parce que je trouvais ça super beau. Mais je suis vraiment une grosse bille avec cette façon de faire là, ce logiciel. Enfin, je sais pas comment vous appelez ça, ce mode de peinture. J'ai beaucoup de mal à le faire. Donc du coup, je fais quelque chose de très léger. Alors, pour le nom, je voulais l'appeler Raoul parce que Raoul, c'est le nom que Ruru avait donné à son poisson rouge. Et je trouvais ça très drôle. Mais finalement, je me suis dit non, il faut un nom pourri que peut donner un gosse. Genre, au début, je voulais l'appeler Céréal. Mais après, je me suis dit, je sais pas écrire Céréal, donc ça me gonfle. Donc, il s'appelle Croquette. Voilà, Croquette, le chien. C'est un petit mâle et donc, il sera le chien de la petite fille. Vous pouvez retrouver cette famille sous mon idée origine, Loupina. N'hésitez pas à me suivre pour ne rien rater. Je vous envoie des cœurs et des paillettes et salut !